Après sa performance lors du Grand Slam de Paris 2020, la jeune judokate Memnelum Demos se classe 3e meilleure judokate africaine de sa catégorie des moins de 70 kg. En se qualifiant pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'athlète de 26 ans est devenue la première tchadienne qualifiée pour cette compétition. Aujourd'hui, malgré les préjugés de la société tchadienne, très conservatrice, elle représente l'espoir de la discipline judo au Tchad. Tout le pays comptait sur moi pour atteindre cet objectif. Et là, au début, ce n'était pas facile. J'étais vraiment embrouillée dans ma tête. Mais au fur et à mesure où je participais à des compétitions, et je commençais à grimper. Après, la frustration s'éteint comme ça. Moi, j'ai pris l'habitude. La jeune judoka a été également élue meilleure sportive tchadienne de l'année 2019 au Coast Awards. Pour conserver ce rang dans cette discipline dominée par les hommes au Tchad, Memnelum Demos ne cesse de travailler dur avec le soutien de son entourage en dépit du manque de structures modernes d'entraînement de judo. Je crois que la préparation on l'a commencé depuis le début de la saison. Parce que c'était ça l'objectif. Et on continue toujours à travailler pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Selon le comité olympique et sportif tchadien, la performance exceptionnelle de la jeune athlète est à saluer dans l'histoire du judo tchadien et africain. En attendant, Demos continue de nourrir son rêve, celui de gagner une médaille d'or dans les prochaines compétitions olympiques pour son pays.